Les enfants, mangez comme j'ai pu manger, dansez comme j'ai dansé. On est en 1942 dans un appartement de la rue du Petit Musc à Paris, dans le 4e arrondissement. Préparez-vous, habillez-vous, faites votre valise. On comprend très vite que la police est venue prévenir Ita L. Neugolfeld que dans 1 heure on vient la chercher pour l'emmener à Drancy. Peut-être ils vont m'oublier. Je suis vieille, je ne veux plus avoir mal. Elle a 1 heure pour savoir si elle va attendre qu'on vienne la rechercher ou si elle va partir. Et 1 heure pour visiter toute sa vie. On habitait dans la Moldavenka, Evreskaya Yulitsa. Alors après, Jacques, il a payé le restaurant à tout le monde. J'ai vu des camions avec des gens à l'arrière. Pour le moment, vous savez, on ne veut plus avoir affaire à vous. Mon désir, il est venu de la beauté du texte, de sa simplicité, de sa modestie. Je bois à la santé de Jacques, de Léon et Anna. Et du croisement avec mes souvenirs de petite fille dans une famille française, comme il y en a eu beaucoup. J'ai envie de me réfugier dans des bras, comme cher fort, comme dans de la force, du courage. Ce qu'il y a de beau dans ce texte, c'est que c'est la petite histoire d'une petite dame. Les petits oiseaux, c'est rigolo. Qui est emportée dans l'élan terrible de la grande histoire. Un beau dimanche au bord de l'eau, au trémolo.